Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm gonna show you how I make my marinade sauce to keep it in my fridge. Ok, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes marinades. Donc je vais laver mes légumes d'abord. Ça c'est céleri, tasse-céleri. On va utiliser du céleri, poivre, poivron jaune, rouge, blanc. We're gonna use the mixed pepper. Parsley, fresh parsley, oignon, chili, on va utiliser du piment ici, de l'oignon rouge, blanc, du persil. Donc je vais laver, il faut être sûr que tes légumes sont très bien lavés d'abord avant d'utiliser. Donc je vais vous montrer comment je vais faire ma marinade là. Tu peux garder ça dans le fridge, dans le congélateur. Quand tu en as besoin seulement, tu marines ton poulet, ta viande ou ton poisson. Ok, je vais utiliser beaucoup d'ingrédients ici, fresh ingredients. I'm going to use a lot of fresh ingredients here to do this one. We're going to use chili, ginger, black pepper, a lot of garlic. We're going to use a lot of things here, ok? Et voilà, that's cayenne pepper, green cayenne pepper, and two chili. I'm gonna make this spicy hot like chili sauce. Donc je vais laver d'abord tous mes légumes avant de vous montrer le reste de mes ingrédients, comment on va réaliser la sauce là, ok? I want to make sure I wash all my ingredients first and I will show you how I'm gonna make this delicious marinade sauce, ok? Now I'm done cleaning my vegetables, so we're gonna blend it. J'ai fini de laver tous mes légumes, on va blender ici. Dans mon moulin, next, we're gonna blend this one smoothly, very, very smoothly. I'm gonna put all my ingredients inside. I showed you earlier. Everything here before I blend everything together. This recipe, sauce pepper or marinade is so good, so healthy. Everything is fresh here. You keep this one to save you time. Ça va te économiser chaque fois à faire ta marinade. Tu n'as pas besoin de faire la sauce. Tu as déjà la sauce, tout et tout. Donc ça c'est les célérines, ça. Célérines, c'est très bon dans les marinades. Persil, beaucoup de persil aussi, c'est très bon dans les marinades. J'ai utilisé que les essentiels légumes pour la marinade. I just used the essential of ingredients here for the marinade. Chili, you have to make sure the chili, ginger, garlic, parsley, persil. Ok? Voilà. My moulinette is so full. I forgot to show you garlic. J'avais oublié de vous montrer l'ail. Ça, c'est du l'ail. Je vais mettre un tout peu d'eau. Je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Vous voyez la quantité d'eau juste pour m'aider à blender. Just to help me to blend my ingredients smoothly. And I like this moulinette. It blends so smoothly. Et voilà, je blend parce que je n'ai même pas pu mettre tout d'abord. Donc, mais je vais... I couldn't put everything. So I had to put step by step that ginger. Ça, c'est du gingembre frais. Donc, je vais mettre ça. Je blende et je remets encore. Parce que c'était tellement rempli. It was so full. My blender was so full already. So, I'm going to keep adding it until I'm done. OK? Et ça, c'est leeks. That's poireau. Je vais mettre un peu de ça. C'est fresh what que j'ai congelé parce que moi, j'aime acheter les fraîches légumes et je congèle moi-même. That's poireau. So, I'm going to add more onion. Ça, c'est leeks que j'avais congelé. And that's green onion.
Ça, c'est ciboulette, les oignons verts là que j'ai découpé aussi. Tout est frais, j'ai juste congelé, j'ai lavé, j'écrase et je congèle. I like freezing my vegetables by me. I bought fresh one and freeze them. So I'm gonna have some of those. Green onion and spring onion, I mean. And that's black pepper. Now I finished it done. So I'm gonna add black pepper here. Parce que black pepper, je ne peux pas mettre ça dans le moulinex et je ne voulais pas utiliser mon grinder. I don't want to use my mix grinder, so I just wanted to be like Africa way. Je voulais blender ici vite, vite là. Je ne voulais pas salir tous mes moulinex là. Ou bien j'ai le grinder aussi. Et voilà, je vais mettre ça aussi. Ça, c'est du poivre noir. Et ma marmite est là déjà. Je vais renverser tout ici. Et je vais bouillir ça au moins pendant 15 à 20 minutes. I'm going to boil this one at least for 50 to 10 minutes. I'm going to add my black pepper. I blend earlier. Je vais mettre du poivre noir que j'avais mis et un peu de chive. I'm going to add chive, les herbes de province, si vous pouvez appeler comme ça. Et un peu de chicken bouillon maggi. That chicken bouillon maggi. Ça, c'est le poulet bouillon maggi. Je vais mettre ça. Je fais ça comme la sauce marinade. Tu peux faire ça avec du piment ou mariner ta sauce, quoi. Donc, je veux que ça soit bien assaisonné. Quand j'en ai besoin seulement, je mets sur ma viande, mon poisson. Tu peux faire ça pour ton poisson, pour la viande, pour le poulet. Tout ou quand tu frites les poissons, tu mets à côté comme la sauce. Vous voyez, non? Et je vais laisser cuire ça pendant au moins. Je mélange tout. I'm going to stir fry this one. Stir it, I mean. And leave it to cook for at least 50-20 minutes. Je laisse cuire comme ça pendant 15 à 20 minutes. Et je vous reviens, ok? Et voilà, après 15-10 minutes de cuisson. Donc, je suis là. Je vais remuer. Il y a toujours l'eau parce que je dois cuire que l'eau sorte complètement. Okay, I need to boil it until I see there's no water now. Okay, voilà. It was so spicy. My cake was coffee. C'était très piquant. Mes enfants étaient là, toussaient. Même moi, je toussais. Là, j'avais ouvert les fenêtres, mais je toussais tellement. Mes enfants disent, Mommy, what are you cooking? Mes enfants m'ont demandé, qu'est-ce que tu pourrais pas acheter à faire chili sauce? Voilà, je vais mettre, ça c'est mon secret, ça fiche seasonement quand tu mets dans ça. Oh my goodness, so good. C'est très bon, l'assaisonnement du poisson, là ça c'est mon secret, that's my secret. Ok, fiche seasonnement. Et je vais mettre un tout peu de l'huile. Tu peux utiliser n'importe quelle huile, hein? Faut pas que ça soit pour moi, rapeseed oil. You can use any oil of your choice, ok. Voilà, I'm gonna stir it. Also, and to preserve, I'm going to add some lemon juice. Pour bien conserver, je vais mettre le jus de citron parce que quand tu mets de l'acidité, ça conserve de plus, ok? To keep it, to preserve, you need to put lemon or white vinegar, ok? To preserve for a long time, ok? To keep for a long time, I mean. Encore preserve, yeah. Pour bien garder pour longtemps, il faut toujours mettre... lemon juice, quelque chose d'acidité, quoi, pour garder longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un tout peu de citron. Ou bien, j'avais du vinaigre, mais j'ai préféré un peu mettre du citron. You can add white vinaigre. Tu peux mettre vinaigre brun ou jus de citron au citron. Et j'avais mis un peu de peri-peri Nandos là, un peu de mortade, déjà. Nandos pepper là. J'ai décidé à la dernière minute de mettre un tout peu de ça. Parce que je veux que ça, il y a tout ici. Donc, quand je vais faire ma marinade pour le poulet, j'ai pas besoin de mettre quelque chose. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux, la mortade, un peu de mortade. I just had a little bit of mustard and Nando's peri-peri sauce, chili. So, when I need it, I'm going to add more oil. That too will help me to preserve my sauce. Ça aussi. Et voilà, c'est presque fini. Donc, je vais prendre les jars comme ça, les bouteilles comme ça, en glace. Faut pas utiliser les plastiques. Moi, je préfère utiliser les
en glace. I prefer to do chai in glass. So, je vais renverser tout ici dans les bouteilles là et je laisse se reposer. Après, je vais mettre ça dans le réfrigérateur et le congélateur. I'm going to put everything in my jar here, my two jars, and keep them to cool down completely before I put them inside the fridge. Make sure it's cool completely. Hein? That can last for me for a month. Hein? Ça, je peux garder ça pour moi pendant un mois. J'en ai. Hein? J'en ai besoin seulement. Je prends. Tu peux faire ça comme sauce piment là. Tu peux utiliser comme sauce piment parce que c'était vraiment piquant là. Et voilà, je laisse se reposer complètement. I'm going to leave it to rest completely before I keep them in the fridge and the freezer. Okay? Because the big one, I'm going to keep that one in the freezer. And the small one, I'm going to use that one. Je vais garder le grand et le petit. Là, j'utilise ça. Quand ça finit, je fais sortir encore. Je décongèle. Et quand j'en ai besoin seulement, je prends. C'est bon ça, non? Très bon, so delicious. Honnêtement, tu peux utiliser ça comme piment sauce ou la marinade parce que c'est un peu piquant là. Il y a toutes les marinades dans ça. Homemade marinade. Si, donc c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine. Le secret de la bonne cuisine. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager, aimer et la quitte. Ok? Voilà, je vous montre. C'était le lendemain, j'avais la recette là. C'est déjà sur ma chaîne. Donc, vous pouvez aller voir la recette là, sur ma chaîne. Donc, ça, c'est la viande. Donc, je mets un tout peu sur la viande là. Il y a le poulet aussi. C'était le surlendemain. J'ai utilisé ça pour mariner ma viande et mon poulet. La recette de ça aussi, c'est sur ma chaîne. Full recipe is already on my channel for that. I will leave the link below for you. And bisous à tout le monde and bye for now.